Bimbo Canyon Sobozu, il bako kolanda biso partout à travers le monde face à l'opinion. Manaka nabino, ouap bisika to fungola kana mozindo, penza, maï matali politique yamboka Congo, lelo, to yambeli bino, na oe talibongo. Question sur élection ba gouverneur, mingi mingi nyon, soezali kolobama li kambetali ba dicta, na ba parti politique, nini penze zali ko salema, e bongo, kokanisaka développement mboka nabiso, kokoma mokolo, nini nanzela ba province. Lelo to kei bongo spécialement na ngamba lola ba to yambeli bino moko ya ba communicateur ya ndeko Fifi Masuka wazali gouverneur intérimaire kino lelo malingi a bandela lisusu kozala gouverneur na ba election zali koya po na nini ambition tope egoisme tango toyebi ki azalaki aponomaki lokola député provincial pe national tina na yango nini ndeko Marcel Okito moko ya bayi habitué à plateau face à l'opinion mbote pe boyebola mbote ndeko Naomi mbote na bayi kenyo so bazolanda biso à travers le pays na mokili mobimba eza esengo monene ngai kozala lisusu lelo liboso ya opinion publique na kati ya émission na bino tobengi face à l'opinion a to rappeler que wote biso lola ba ezalaki penza na lombango mbango zonga menzamba permettre que to kutana Zali bongo na zali ki monte ya ko zonga deja lelo mais parce que tozali ki na rendez-vous na bino na lobina kotika ba de côté sans que bazwa lumière sur ma makambo ebele o etali mboka na biso yango wana na retardé mke po na solo na bandeko face à l'opinion lelo na zali nga mo côté lokwa bo mesano kasi na zali na ndeko Danzan de Tero na zali bongo na ndeko Daniel Kambo wa moko ya ba confrère na biso na Congo Best Television boye bien malamu ndeko Daniel Mbote. Merci beaucoup madame Naomi, merci également je souhaite la bienvenue à notre invité Marcel Okito qui nous fait l'honneur aujourd'hui. Ndiko Marcel Okito to kene mosika te na mituna penza Fifi Masuka zo makina Kinshasa aye bongo kopona malokola tike gagnant réunion sacrée ya kutana kina informateur lobi moleki lokola esko Fifi Masuka zali bongo aponomi na yi de pes pour ka kambali susu bongo province ya lolaba Fifi Masuka ponami na yi de pes pambate kasi ponami na réunion sacrée nyonso mubimba eza choix ya union sacrée oyo ba décidé ko défendre ye na rappeler awa ke Fifi Masuka saini a postulé lokola candidate indépendante mais sima ya ba élection e uti koleka Fifi Masuka saini nazana singo monene ko bisabino ke tangu nalikaki awa na bisaki bino ke tozaki ozelangana yo ba resultat ba élection na bisaki bino ke Fifi Masuka saini azana poids politique ya makasi oyo kosala ke akozongela lisusu ku diriger province wana nzambe alala kate e la kisami na miso batu nyonso pona batu oyo bazaki kolakisa ba communicateur na bango kolekana ba chaîne ya ba radio na ba télévision ko finga ka Fifi Masuka pona kolakisa président de la république ke mwasi oyo asalaki campagne na yo te to azama makasi na ba élection te lelo resultat yango ezolakisa ete onyonso tozako loba na sima Fifi Masuka ezali makambo ya solo na yebisaki bino ke Fifi Masuka saini ya produire 25 députés na niveau national 30 députés na province na niveau ya province na zangi ko konté ba conseillers municipaux étant mobimba ya République démocratique du Congo soki Fifi Masuka zo sala lelo 6e force parmi les forces politiques na mboka sima ya bopona mina ba contentieux nyonso yo électoral et utikoleka lelo Fifi Masuka azana esengo monene ya kolola susu candidate na poste ya gouverneur pona mbala ya yambo ya postulé na poste wana donc aza choix ya union sacrée nyonso mobimba azaki intérimaire pendant un long moment batobe balobaki kutu azaki légalité mais lelo aye lisusu koluka okamba province ya lolaba nini asali te na tango bapesaki ye o alingi asala na tango ekoya Fifi Masuka saini ya kambi lualaba panda 3 ans ou bien 2 ans et demi tozo zwango general dola 3 ans eza intérim eza ko kamba totalement eza ko kamba sima ya donc à l'absence ya gouverneur titulaire ndeye atikali ko kamba ikolo. Et donc, Azana ba projet belé ou ya bandaki. Il avait plein pouvoir. Il faut qu'on rappelle que tant que l'élection va gouverner, et ça le maquis, c'est comme ça. Et Nalola, ça le maquis, c'est pour Nanini. Voilà mon tourné, c'est comme ça. Fifi Masuka, tu as signé le gouverneur full.
Donc, tout le gouverneur titulaire, jamais, à Signakaka, en tant que gouverneur intérimaire. Ce qui signifie que, à ta engagement, à ta dépense, à ta limité, à ton niveau, moko, mais si on a un peu de temps, signer en tant que gouverneur titulaire. Parce que, tu es bien, 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 liste ya batoyo bazo ki ndiko ko postuler comme ba candidat gouverneur na poste wana eza de bonne loi. Est-ce que Fifi Masuka lingami na loba makasi mingi na tikana biso ki Fifi Masuka lingami na loba makasi mingi na loba pamba te kasi na Kongo mobi mapoto zo jeje lelo oyebi ki na zalelo na ngana na Kinshasa nazo solo na bato nazo yoka soki na otali ba page ya Facebook na biso ba communication la place nazo to communicaka okomona ba commentaire bele ba tozo bonde la kutu Fifi Masuka akende ko sala na ba province mususu balobi soki tozala kana gouverneur lokolo oyo pamba te nalo belango ka niona te me nazana ba preuve makasi ba image ezali ba resultat pe ya election zo la kisake Fifi Masuka saini azal vraiment ya kulinga mwa parce que tokende na ba gouverneur nyonso na espace grand katanga après élection mon côté ko kiko produire ba député ebele lokola Fifi Masuka saini nalo ba lesusu moi si mon côté à travers les pays je dis bien moi si mon côté à travers la République démocratique du Congo nyonso mobimba akoki ko kamba parti politique nae et produire ba député ebele lokola Fifi Masuka à produire c'est une preuve encore ya kolakisa ke ya solo Fifi Masuka balingie. Non, il y a toute la image, il y a Moko, il y a ba structure culturelle Nabino, Luanza, loi Kimu, Mikuba, Luanza Mikuba, Oyo ba lobby sur Mama Fifi Masuka et plutôt Zonga to commenter. Dans l'actualité politique, bientôt les élections des gouverneurs, est-ce que Luanza loi Mikuba soutient la candidature de Madame Fifi Masuka Sey? Non, la Luanza Mikuba ne soutient pas la candidature de Madame Fifi Masuka, elle a fait son temps, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. On ne peut pas aujourd'hui soutenir encore ça. D'autant plus que je voulais être clair par rapport à ce sujet là-bas. Le chef de l'État, je répète encore, le chef de l'État dans son discours était clair. Je ne peux pas retourner ou bien faire commettre les erreurs du passé. C'est très important la phrase là-bas. Que dit la Constitution dans son article 198? La Constitution supplie ceci, que le gouverneur et son vice-gouverneur sont élus pour un seul mandat renouvelable une seule fois. Or, dans les cas d'espèce, Madame Fifi Masuka a participé aux premières élections de 2016 en 2018. Ils ont géré avec, comme coéquipier du gouverneur Mouyej. Ils ont terminé le premier mandat et le deuxième mandat de 2019 jusqu'en 2023. Et aujourd'hui, ce sont les deux mandats par rapport à la Constitution. Il a vidé ces deux mandats et elle ne peut pas, même elle est là, elle ne peut pas espérer encore gérer la province du Lualaba et tout ça. Et si le chef de l'État, vraiment, il aime les enfants du Lualaba, il ne doit pas valider l'identité de Fifi Masuka comme étant gouverneur de la province. En ce moment-là, non seulement qu'il va énerver l'esprit de la Constitution, mais il va aussi énerver la population du Lualaba, parce que les vivre ensemble du Lualaba, parce que vous êtes sans ignorer que Madame Fifi Masuka n'a pas mis ensemble les enfants du Lualaba. Et les communautés du Lualaba sont très déchirées autour de lui. Donc, chef de l'État, il doit corriger les erreurs du passé en cherchant un bon ticket pour la gestion de la province du Lualaba. Et pour nous, le Luanza Mikuba, nous voulons que ce ticket là-bas soit un Luanzo qui dirige la province actuellement. C'est ça même la position de la communauté dans son ensemble, le chef coutumier. Et ici, je parle en tant que président provincial de Luanza Mikuba. Et nous voulons que la gestion cette fois-ci soit confié à un Luanzo. Donc au peuple de l'espace, Kolozi, Muchacha et Lubudi. Luanzo Limane, Ototo, 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 Nébile Kolozi. Voilà. Monsieur Marcel Okito, nous avons eu la déclaration à Bandeko.
Na rappelé à nous que Moutouazolo Banakacha vidéo comme on a René Lumuna, Lubonde, Aza Nani. Tikana banda ko yebisabino ke aza moko ya bana oyo tatana biso kingo kumwanza tikaki parce que azaki na parti na yende parce to biso to yebelaki ye René Lumuna Lubonde azanga kiko kamba parti dès que papa kingo kumwanza kufi ye pe alongwe na parti donc c'est quelqu'un qui ne sait pas s'assimer Lwanzo la Mikuba eza association socioculturelle oyo ngana za ko tosa mingi parce que bimisi ba te belenga na yebi ba kombo ba tuminene ba bimina kati ya Lwanzo la Mikuba na lelo ba zosala fierté ya mboka oyo mais kasi nalingi koloba mingi te eza na image mususu ba oyo bakendaki ko reputala gouverneur ya Lwala ba Fifi Masuka Saini ba yaki kutala ye na biro na ye bakambi ya Lwanzo la Mikuba balobaki nini au sujet ya bato baza kolongwaka na nzela ya kolanda parce que ezati kaka parce que oza notable ya mboka to ozwa na kama portion ya pouvoir na kati ya association socioculturelle ke okobenga batu sima na yo telemi na bango lobi ki olobi okombo ya nani ya Lwanzo la Mikuba non Lwanzo la Mikuba ezati dirigé na ba ezana na autorité nango oya zo représenter ngo na niveau national il faut que ozana na ligne de conduite na ye soki oyo ki bien na kati ya vidéo na ye azolo banini ketoko zongisa ba brebi oyo bazo bunga nzela kozongisa bango na nzela pona ko soutenir Fifi Masuka Saini chaque fois que tozoya na mboka oyo tozomona kibiloko ezako baluka mais ba déclaration ya uti ko sala wa soto bito analizenga nayo eza mais alobi que ndeko Fifi Masuka yebi bongo ko sangisa ba communauté te na kati ya lolaba pauvreté ezali pasi ezali et puis ya bakisi ki abuki mibeko koluka kozala na sika nyonso parce que senyela ki akende wana pe abuki lokuta koloba na eza justifié te tika na ebisa oyo te ke oyo azolo bawana tolanda parce que ba image ezali ya autorité o ya zo représenter Lwanzo la Mikuba na pays mobimba ya azolo banini par rapport à Fifi Masuka Saini azolo ba ke Fifi Masuka Saini si batu ozomona ke azamu to ya bungi nzela oyo nani aza répondant direct ya Lwanzo la Mikuba te parce que Lwanzo la Mikuba to yebi na bisio batu minene na kati ya mboka oyo baza ba membre ya Lwanzo la Mikuba et puis bazala ka te ko batikalo ba makambo boye contre nani te mais ça ka ye moko te andalo bité soki ko pesa nga chance to landa pe ba vidéo ya bato ba sali parce que ba association ya Lwanzo la Mikuba et bimi misato oyo ezolo balelo il y a un peu de désordre ya cacophonie na niveau na bango na Lwanzo la Mikuba parce que biso tozana likambo wana te na kati mais na moni batu mususu mususu ba leader mususu Lwanzo la Mikuba pe ba sali ba déclaration wango bazokumisa Fifi Masuka Saini pe bazolinga ko réitérer nani Fifi Masuka volonté na bango na soutien na bango ya kolobake akamba suso ikolo donc muto yo asa mutu moko pona ngai o ya bunginzela biloko azosenga na chef de l'état eza biloko moko grave pourquoi na lobi eza grave ozoka ke azosenga na chef de l'état a violé constitution parce que constitution lelo est consacré lolaba comme province mais azosenga chef de l'état akabola lolaba na ba territoire mibale donc chaque territoire chaque district est comme sous province mais nazo comprendre te est-ce que yazo comprendre vraiment volonté ya chef de l'état ya okini na ekolo liboso azolo bana chef de l'état ke ye alingi ba pesa ye gouvernorat to apesa bango gouvernorat mais madame Naomi na uti kolobela makambo ya poids politique yawa production na yo na election nde ko pesa yo chance ya kozala gouverneur to te election ezala kola gâteau te tozo kabola ninge to lingi ko election ezala ki compétition soki azala ki makasi parce qu'azala ki candidat nde ko René Lumuna azala ki candidat na ba election dernière mais pour la nina kokwa kite ko bima député provincial to national pour le loi ko bakeno alingi kozala a produire ki ba député combien parce que azala monsieur instable azala ki na inafek abimi na inafek akoti soki na biloko nini leloyo azala ki osala campagne ya Moïse Katumbi chapwe azangi ko bima naye moko akoki ko koma candidat nani député te na mutu asoutenera ki akoki ko misfere elirité donc azam politicien a mal de positionnement na pesa yo exemple mususu ozomona bilili oyo soki ba ko pesa soko zola sika mona na réalisation bilili ya ba ya ba association socioculturelle kaka mo ba membre na bango ya Lwanzo la Mikuba oyo bazoloba bango pe balobi nini balobi boye ke bato moko bawo bazana kati ya parti na bango pa bazoloba bango na swahili to na français balobi ke batu mususu bazana kati ya Lwanzo la Mikuba bazolinga ko marchande na ko détruire ba valeur culturelle ya Lwanzo la Mikuba effectivement na monike ezali kambo ezana na makila ya ndeko René Lumuna parce que ndeko René Lumuna azoloba nini ke ye
alingi bacha membre ya loanzo la mikuba a gérer province mais est-ce que ça la kabongo parce que tout simplement nete tuzana Kinshasa wa olingi ko diriger mboka il faut que tu passes tout simplement za mwana mboka ndio ko diriger mboka non il faut encore avoir s'il vous plaît, le poids politique. Marcel, est-ce que par rapport à la gestion de la province du Lualaba, est-ce que les élections ne sont pas rotatives par rapport aux communautés? Les élections ne sont pas rotatives. Les élections sont tout simplement... la gestion de la province. La gestion de la province n'est pas rotative. Par rapport à tout ce qu'il y a comme communauté au sein... Mais chaque fois que quelqu'un sortira plus fort aux autres par rapport aux élections, c'est celui-là qui va gérer la province. Il ne faut pas dire comme... On ne va pas dire ici... Plus fort imposé. Tant que tout le monde n'est pas fait, il y a un député provincial à Kinshasa, il n'y a pas Augustin Kabouya. Il y a déjà qu'il y a des toponies. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union Sacrée, qui est désigné par le chef de l'État comme informateur, il y a des toponies. Élection de Pesibiso nani a dirigé province par rapport il y a résultat aux unes province et puis élection et petit si mon tuko postulé était jusque le 8 mars na banzi ezala ki lobby to lobby kuna ndeza ki mko lesuka ko déposer candidature de colonel lumuna nani a petit ça qui est ko déposer candidature mututé. Mais notez avec moi ceci, que le fait que Fifi Masuka soit venu avec ces députés ici à Kinshasa, ça ne signifie pas qu'on l'a directement choisi. Donc, vous allez limiter les droits d'une famille politique de se réunir avec ses membres pour prendre des stratégies autour de, en vue des élections à venir. Non, c'est leur droit. Donc, et là, comment on peut payer ça? Fifi Masuka Saini ko postulé, to René Lumuna peut postulé. Il peut aussi postuler. D'ailleurs, n'a pas de comparer parce que, comme il a été en achevité. Une autre question est au niveau de la candidature de Mme Fifi Masuka qui divise les communautés. Êtes-vous d'accord de ceux qui divise, vous confirmez qui divise, les communautés, vous savez de quoi je parle? Non, non, monsieur, cette affirmation est gratuite. Écoutez, soyons calmes. La question ici est qu'il y a l'IDPS qui conteste la candidature de Mme Fifi Masuka. Mme Naomi l'a dit ici qu'il y a une communauté qui s'est levée pour contester la candidature. Ça, ce n'est pas dit. Je ne vois pas. Je termine à la question, comme ça vous aurez la parole. Êtes-vous d'accord de ceux qui pensent qu'il faut un dialogue intercommunautaire à Lualaba? En fait, un dialogue dans la famille. Frères, oui. Écoutez, moi-même personnellement, je pense que si dans la famille il y a des gens qui pensent que ça ne va pas, ils doivent aller dans le système de dialogue. Mais je ne pense pas que cela soit le cas. Vous dites, vous confirmez ici dans votre bouche tout à l'heure que l'IDPS n'est pas d'accord avec Fifi Masuka Saini. Mais ça m'étonne. C'est lui qui a réussi Fifi Masuka. Vous avez suivi, vous vivez au Lualaba, oui ou non? Donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Celui qui a réussi Fifi Masuka Saini avec ces députés, c'est membre de l'IDPS. D'ailleurs, c'est le plus haut gradé aujourd'hui dans l'IDPS. Vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas de l'IDPS. Vous allez me dire que celui qui est colistier avec Fifi Masuka Saini sur la liste des candidats gouverneurs n'est-il pas de l'IDPS? Il est de l'IDPS. Y a-t-il pas un autre député de l'IDPS qui a été élu? Parce que l'IDPS a produit des députés dans notre province. Ils ont été avec lui. Y a-t-il pas des gens de l'IDPS derrière Fifi Masuka Saini dans la province? Il y a des gens, même dans le gouvernement que Fifi Masuka gère aujourd'hui, il y a les membres de l'IDPS. Vous n'allez pas me dire que si vous voyez les groupuscules des gens en train de faire des déclarations ça et là, vous allez comprendre avec moi qu'ils ne sont pas... Ce sont des gens frustrés. Ce sont des gens que vous avez écartés pour régner. Pas écartés. Fifi Masuka Saini n'écarte personne. Vous allez le comprendre avec moi que Fifi Masuka n'épargne personne. J'ai des images. Nous avons des images de beaucoup de gens de l'IDPS qui ont fait des déclarations en faveur de Fifi Masuka Saini. Si vous voyez un groupuscule de gens aujourd'hui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Fifi Masuka, quoi de plus normal? Il ne faut pas dire que c'est tout l'IDPS qui est contre Fifi Masuka Saini. Tout l'IDPS n'est pas contre Fifi Masuka Saini, mais cependant, il peut y avoir quelqu'un, parce que c'est la démocratie, qui ne puisse pas être d'accord. Mais peut-être que sa manière de réagir, c'est celle-là qui n'est pas d'accord. Est-ce que l'IDPS, là-bas, est d'accord na candidature de Fifi Masuka? Est d'accord na candidature de Fifi Masuka Saini, parce qu'il peut y avoir déjà colistier na eto vice-gouverneur à Fifi Masuka Saini. Aza membre à l'IDPS, élit sur la liste de l'IDPS, et puis Azala qui consacre la campagne chef de l'État pendant les élections. Non seulement par rapport à ça, mais depuis tout ce temps, qu'on accuse d'être proche de Madame Fifi Masuka. Oh non, il n'est pas proche de Fifi Masuka Saini.
je le dis tout haut, que monsieur Clément Mufundi n'est pas proche de Fifi Masuka Saini. C'est un politicien de bon droit. Non, Mufundi n'est même pas membre de la famille de Fifi Masuka Saini. C'est un mensonge que j'ai suivi ici à Kinshasa. Cyrine Cheikh. Explique-nous la vérité. La vérité, c'est quoi? Peut-être qu'il faut que je vous présente ce qui est Mufundi. Mufundi a été élu député provincial en 2006. Dans la formule Grand Katanga. Il a travaillé à Lubumbashi de 2006 jusqu'en 2011, quand ils sont venus en 2014 à Kolwezi pour installer la province. Monsieur Mufundi était venu ensemble avec Muyej Mangej Mansa et il a été ministre de l'économie sous le gouvernement Muyej Mangej Mansa. Mais avant cela, je dois vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est investi aussi beaucoup dans l'éducation des enfants dans notre province comme Mufundi. Il a plus d'une vingtaine d'écoles. Nous avons des images. Il a plus d'une vingtaine d'écoles à travers la ville de Kolwezi. Il a beaucoup investi dans les domaines de l'éducation. Pendant qu'il a géré l'économie dans la province du Lualaba, ce n'est pas n'importe quelle province, vous allez le reconnaître avec moi, Mufundi était ministre de l'économie. Il a été humilié par Muyej Mangej Mansa par le biais de son directeur de cabinet. Et c'est comme ça que Mufundi a démissionné de lui-même du gouvernement de Muyej Mangej Mansa. Et comme nous avons l'habitude de le dire aujourd'hui, que justice de Dieu, il y en a. Aujourd'hui, Mufundi se retrouve encore réélu dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, d'abord, je vous dis qu'il est en train de gérer le ministère de l'Environnement. Il a été réintégré dans les gouvernements. Et puis, il gère le ministère de l'Environnement. Et lors des élections dernières, Mufundi Tshinetskal est passé comme député provincial pour le compte du territoire de Mouchacha et sous label IDPS. Ce dernier, monsieur Mufundi, il est de bonne moralité. Nous le connaissons et beaucoup de Congolais le connaissent dans la province du Lualaba. Il est enseignant à l'université. Il n'a rien à voir. Bien il n'a jamais été rejeté par la fédération. Vous dites? Bien qu'il est rejeté par la fédération. Non, comment est-ce qu'il serait rejeté par la fédération? On a suivi la déclaration. Je vous dis qu'il y a des déclarations. J'ai aussi une déclaration. J'ai des images d'une déclaration dans laquelle on est en train de dire que les membres de l'IDPS soutiennent, de la même fédération, soutiennent Mufundi Tshinetskal. Vous savez, le mal de la démocratie, il n'y a pas mieux que la démocratie, mais cependant, la démocratie aussi a ses faiblesses. Ce sont des choses comme ça. Quand il y a des points de vue divergents dans un même camp, on croit que si on ne supporte pas tel ou bien si on le supportait totalement, ça pourrait faire ceci ou bien faire ceci. C'est difficile de montrer tout le monde est d'accord, mais cependant, ceux qui ont la majorité doivent gérer. Tant que le bel maman Fifi Masuka na opinion, et le bami que pourquoi apostila qui le quoi député provincial, député national, apostila le quoi la sénatrice, à qui apostila le quoi gouverneur, ni pensez aux autres indaye. Ambition, topé à l'ingé à zonion soye moko. Madame Fifi Masuka Saini aza mwana mboka. Madame Fifi Masuka Saini apeki samite ko postile na niveau moko. Soki loi moko ezali madame Naomi. Soki mo beko ezali e boy ko sala ningwa na la kisanga sur le plan éthique parce que moto a ponami na loko la sénateur ou aza député ezali incompatible, c'est-à-dire que kuna otika otika Cyprien na ekoto ke ne ko siéger et mingi ezara ba Cyprien tam sou membre famille. Na ebité éthique nini ezo peki sa mutu ko postile. Le cola gouverneur, ce qui a zali député. To ko postulé, le cola sénateur, ce qui a zali député. Na yebite ce que tangi yango déjà. Ce qui n'est pas interdit par la loi n'est pas une infraction. Donc, au cours de la députée provinciale, yo, député national, yo, sénateur, yo. Madame Naomi. Ministre, yo. Madame Naomi. C'est normal. Est-ce que Peki Sami, toi, Peki Sami, t'es Peki Sami. Voilà. Mais yo, on y a un peu de temps. Ce qui est Peki Sami, Fifi m'a souhaité. Mais moralement. Yo, quand même, ça y est. Et ça sonne mal, mon ami, tout est à Madame Naomi, ce qui est sonné ma bé, loi est que Peki Sayango. Tout ce qui sonne très mal, la loi va refuser ça. Vous n'allez pas me dire que les lois, les camarades qui sont salés, les gens qui sont salés, sans qu'ils aient la loi. Ce qui est jurisprudence, et comme jurisprudence, le tribunal, comme ça, il y a un peu de le système où ils ont changé, ils ont changé. Ou, ce que la législature, il y a un peu de temps, 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 il y a. Mais aussi longtemps que Aza freiné par la loi, comme ça, il y a un peu de temps. Je pense que, et ça, et puis les lois, Fifi Masuka Saini, Aza les sous-sous individus, les individus qui ont sauté. A comme patrimoine. Aza leader, il y a opinion, et puis aza leader politique. Fifi Masuka Saini, aza n'a pas intérêt na ye, oyo aza ko sale la makambo pour que e bénéficier na généralité ya batunyoso.
parce que Fifi Masuka Sayini lelo alobaki ke nakozala nakoki ko zala capable de gérer province a gérer province lelo batuboni ba bénéficier na biloko Fifi Masuka Sayini ah, population a bénéficié penza te selon ma information population mususu azali pe moi pauvre bo kotonga ma biloko tonga mimi Fifi Masuka Sayini a rendre na kati ya na ba place profond eza problème ba nzela problème ya problème eza moi ebele population aza na pauvreté jato noté le komoko na banzi te ke depuis tozana bino na pays oyo gouverneur moko a gérer province pe a komisa ba tunyo so ba riche et ça les mana noté le loko ko yisanga na plateau na yo ke Fifi Masuka Sayini a gérer pendant 3 ans ba population baza ba pauvre mais nazo comprendre te bazo spalier tant soit peine na ba situation sociale ya population mais on ne peut pas dire que gouverneur a ko ki ko rendre ba tunyo so riche soki Fifi Masuka Sayini lo bininga c'est ka ko sa lokuta alobana no atande ngwana mukolo moko te ke na gestion na ngai bino no so boza la ba riche. Mais est-ce que population azo bénéficier? Population azo bénéficier. La richesse eza na Nicolas Mabena. Oui. Tala na ebisa yo, na ebisa ki yo mala mususu ke to babiloko ebele to zalaki na ngote to gagner yango sous la gestion ya Fifi Masuka Sayini. Ndakisa hôpital ya Mwangi. Parce que ka babiloko ezalaki deja ya ekoyo. Eza biloko ezalaki te ba étage et tongami na hôpital ya Mwangi ji. Ezalaki te liboso. Tozana ba image. Ya o ba image ou ba maizo tonda na nzela wana. Donc niveau devant cet hôpital que vous êtes en train de bloquer. Oui, oui, tala c'est la mauvaise construction yo Fifi Masuka Sayini a kuti na kati ya mboka. Na ebisa yo ke na 2016-2017 ba tongaki ba ka niveau place wana sans ko sala ba bise. Pona ko kati ya mayi wana kati sa nzela. Ezaki sous gouvernement o e presedaki. Na ebisio ke etonda zelo e lekisaka maite. Dès lors que batonga ki yango deja maize ki kotonda na place wana. Fifi Masuka na minute tozo ebisa yo. Ba misale zo salema pour que basala ba business na bisika wana. Je pense que soki nazana ni ba image ezali basali misala place wana pe maize kotonda le susu. Mais ezalaki hôpital moko ezalaki ba construit par les Belges mais le loso otali ba image yango zo mona eza ba image ya zo lekisa ke et comme il y a un étage ezalaki bongo te ezo bénéficier na population. Alors je voudrais revenir sur ce que Naomi Pila venait de dire que Madame Fifi Masuka avait tout s'accaparé au Lalaba. Sénatrice, députée nationale. J'ai répondu à cette question. Attendez, j'en arrive. Députée nationale, bientôt gouverneur. Et est-ce que vous donnez raison à ceux qui pensent que il y a une touche de dictature au niveau du Lalaba? Il y a également la polémique, genre les députés, le conseiller communal de l'INC qui ont été avec les juges, la madame la juge qui serait de votre parti, je voudrais que vous puissiez répondre à cette question. Tout ça montre qu'il y a une touche de forcing, elle veut s'imposer partout. Je ne comprendrai pas votre question si vous évoquez les élections, en même temps vous parlez de la dictature. Aux élections, personne ne peut dicter que non, c'est moi qui dois passer. C'est quel pouvoir qu'il a? Moi, je vous dis que j'étais dans le territoire de Dilolo où le fils à Fifi Masuka Sayini était candidat. Moi, j'ai accompagné un autre candidat. Mon candidat, moi, a réussi et le fils de Fifi Masuka Sayini a échoué. Nous sommes dans le territoire de Dilolo. C'est dans la province de Lolaba que Fifi Masuka est en train de gérer. Commune de Dilala. Ceux qui connaissent. Je vais y arriver. Okay. Non, quand vous posez une question et que vous voulez la réponse, si je vous donne la réponse, donnez-moi, laissez-moi terminer parce que vous la posez en faveur de ceux qui sont en train de nous suivre. Je vous dis que nous avons vu le fils à Fifi Masuka Sayini échouer aux élections. Nous avons vu les gendres de Fifi Masuka Sayini échouer aux élections. Nous avons vu les petits frères de Fifi Masuka Sayini échouer au cours de ces élections ici. Joe Sayini Samundengo, il a échoué dans le territoire de Mouchacha. D'où est venu M. Mufundi Chinat Karle. Il a échoué. Et donc, vous n'allez pas me dire que Fifi Masuka Sayini s'impose partout. Non, ce n'est pas la dictature. Ce sont des élections. Et celui qui organise les élections, ce n'est pas Fifi Masuka Sayini. C'est comme ça que la paire est en train de faire les gens dans les camps de l'opposition. Ils pensent que comme Fifi Masuka Sayini a postulé, certainement qu'elle va réussir. Elle va réussir parce que je le disais tout ce temps. Nous étions avec vous sur ce plateau ici. Les communicateurs de Madame Adel Kaina sont venus ici. Je leur avais dit que Madame Adel Kaina n'est pas en mesure de se faire élire même dans les territoires de Sandoa. Résultat, Madame Kaina a échoué. Mais Fifi Masuka Sayini a réussi et elle a drainé derrière elle 9 députés provinciaux, 25 députés nationaux et sans compter ceux qui sont dans d'autres provinces. Donc vous allez comprendre avec moi que les problèmes de leadership, ce n'est pas un forcing. Pourquoi vous appelez ça un forcing? Le leadership, le problème. C'est quoi d'abord l'urgence? C'est tout ce qu'elle a été sur Maman Fifi Masuka pour aux années, tu t'en s'attaquer. Mais
c'est quoi l'urgence d'être partout au même moment? Moi, je me pose la question. Est-ce que tant au Kendek, au Sénat provincial, au servir peuple, au servir peuple pénal national, au servir peuple le col à Sénat, tant aux autres tika basipian, est-ce qu'on va au servir peuple, n'denga yo moko Sénat le col servir peuple? Basipléan, c'est quoi l'urgence finalement? Basipléan, batambolaka, nakati ya droitir ya bato yo batye bango. Sipléan, aza, mokitani ya muto ya tcheye. Ce qui loi est raison, la façon dont vous raisonnez, on a mis les gens qui ont été. Mais si Pléan a une autorité morale, si Pléan a la ligne de conduite à suivre, donnée par son autorité. Et puis, l'autorité politique, il y a un leader, il y a une opinion, il y a une vision qu'il imprime. C'est la vision qu'il donne à l'air si Pléan pour que si Pléan. Mais ce qui est comme insupportable pour la société, je pense que Ngaïna, le journaliste, tu as appelé que toi, tu as la Mibeko, notamment les députés. Va réfléchir dans l'ikambouana. Mais jusqu'alors, pendant que ça a un problème. Il a rappelé que les gens qui ont été mobeko et les qui proposaient loi électorale. Égoïsme et l'homme politique congolais. Il veut être je pense que ce qui. Comment on a leader politique comme individu. Leader politique, c'est un individu. Fifi, je pense que c'est un baoba. Pour un exemple, il y a un baoba. Il faut que Missisana y ait. Missisana y ait des suppléants, Missisana y ait des représentants, dans la structure. Ce qui est comme leader politique, le gouvernement est Jean-Pierre Memba. Il y a un ministre, il y a un gouvernement, il y a un conseiller politique, il y a un Missisana y ait. Il y a un baoba, il y a un baoba, il y a un baoba. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a un baoba. Félix Tshisekedi, il y a un sou, il y a un baoba, il y a un baoba. Félix Antoine Tshisekedi a commis patrimoine à Congolais. Il passe à la mission, ça n'a pas partout. Donc, ça, Félix Antoine qui postule à tel niveau, et ça, qu'on réfléchit bien. Pour mon avis, il faut que Tika, le leader politique à Minene, va s'imposer partout. Bah, ça, ça m'a bien. Ce que le leader politique à Zaya Mabe, on a dit, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été comme on est peut-être en gamin à Bayo, Bazo, quand il s'est retrouvé dans le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Bon, en fait, biso tozana na posa na ye. Na lola ba tozana na posa makasi ya Fifi Masuka saini. Pona ba projet nyoso ya bandaki, il faut asili sango. Mwana mboka, je ne pense pas que yoko tangelanga gouverneur moko na kati ya mboka oyo, parce que yoza journaliste ozoka ba information, moko na kati ya mboka oyo sali makamoloko la Fifi Masuka saini. Na pouvoir ya interim, mais ce qui a commis la pouvoir ya ye moko, je pense que yoko bénéficie. Ba tanti ya ba lola ba sur le Fifi Masuka, mando ezali koye ezani. Attente ya ba lola ba ezali ebele. Na kende lokona na territoire ya Dilolo. Dans le territoire de Dilolo, aujourd'hui, on a préféré que le bayango na français. Mm. Beaucoup de gens attendent de Fifi Masuka et de son gouvernement la réhabilitation de la route nationale numéro 39. C'est un besoin primordial et c'est une urgence que je ne peux pas imaginer. Je ne sais pas quel mot qu'il faut que j'utilise pour exprimer cela. Et donc, je m'adresse ici au président de la République. Parce que vous avez fait confiance à Fifi Masuka Saini, donnez-lui la responsabilité de la réhabilitation de cette route nationale numéro 39, Kolwezi Dilolo. Vous allez voir ce que cette route va faire pour notre pays. Et donc, je pense ici à la population de ce coin, parce que j'y étais avec Fifi Masuka Saini, Baïma Jezali, j'y étais avec Fifi Masuka Saini, elle a promis à cette population que nous allons réhabiliter cette route au cours de ce nouveau mandat. Et donc, je réitère ici ce vœu de voir territoire Dilolo. Et ça l'a relié malamo qu'on a vu à Kolwezi, parce que quand on a la frontière à Monene, la frontière à Lobito, on a la frontière à Texiera, on a la frontière à Angola, et on a apporté, on a apporté, on a péage, on a fait des marchandises, des ezokota, malgré que les ezokota n'ont pas été malamoutés, ils ont été qui ont été bongi, madame, moi je vous dis, le Congo va bouger de ce côté-là. Kasumale, ça n'a pas besoin de ça. Est-ce que Aza soutenu l'association Moussous parce que tout le monde est association culturelle au Lobindam Boukara, mais tout le monde est communiqué que c'est pas lié. Est-ce que la société, l'association culturelle Moussous ou socio-culturelle Moussous est allée soutenir Mama Fifi Masuka? Na bandela nanu koyebisa yoke lokola uche elema ya baoyo bazo contester Fifi Masuka Saini. Il fallait qu'il peut uche elema ya baoyo bazo soutenir Fifi Masuka Saini. D'ailleurs, comme on a que les associations ebele. Oyo association socioculturelle nani esali kaka bango moko komona ba image mususu bazo féliciter eza kutebele na ye moko René Lumuna ba image ezali ozola kisaye azokumisa Fifi Masuka Saini. Je ne sais pas parce que c'est un monsieur qui est très instable politiquement même socialement ba tebele ba yebie qui est un modèle naye je c'est aussi ça la démocratie point de vue. Mais c'est aussi ça la démocratie mais naye bisoyoke Fifi Masuka Saini a bénéficié na appui
to na soutien kala mingi te mikolo uchi koleka ebelete ya ba chef koutimien nyonso ya province ya ya Lualaba ba image ezali Fifi Masuka Saini a bénéficié na soutien ya association socioculturelle Lunda bo babengi ya sondef na kacha territoire ya ya Muchacha pe na territoire ya Didolo ba image ezali Fifi Masuka Saini a bénéficié na association ya ba jeune ya ya province ya Lualaba ba image ezali ba jeune nyonso ba leader jeune ya ya Lualaba ba sali déclaration pour le kino bango bazo soutenir Fifi Masuka Saini ba image ezali nalo bali susu ete ba association ya ba ya, ya ba étudiant ba, ba ba professeur na ba étudiant na bango ba sali ba déclaration ba lebele ba image ezali donc ce qui vous me si vous me donnez le temps na tchela kabino ba image moko moko ya ba oyo bazo soutenir Fifi Masuka Saini monaye ke bazo lami ko ba oyo parti portion na ya ya kipwana et Koki Kosala est le côté. Merci, nous avons bien compris tout ce que vous venez de dire. Le mot d'ordre aurait été donné pour que Mme Fifi Masuka puisse postuler au nom de l'Union Sacrée, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez donner aux députés nationaux? Parce que c'est à eux, nous avons vu, nous avons des cas en République, des députés provinciaux, c'est à eux de décider, n'est-ce pas? Ils peuvent ne pas obéir au mot d'ordre. Ce sont des cas qui arrivent. Un mot peut-être avant qu'on prenne la question des communicateurs de l'Union et de Mme Fifi Masuka. Un mot d'ordre pour qu'elle puisse postuler comme gouverneur a été donné, bien sûr que oui, parce que Fifi Masuka Saini a son autorité morale qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les comptes de l'Union Sacrée. Mais les députés provinciaux, chers députés provinciaux, vous savez très bien que vous et nous, nous vivons au Lualaba. Vous savez d'où nous venons avec cette province. Combien de chantiers avions-nous avant? Parce que la province a été créée pour être construite, pour doter à la population une proximité avec ceux qui gèrent la province. Et vous avez vu que nous avons passé 5 ans sans rien faire. Dieu merci, nous avons récupéré dans ces 5 ans-là 3 ans, 9, nous avons, parce que la province a pratiquement 9 ans, 3 ans sous la direction de Fifi Masuka Saini, vous avez vu, vous êtes témoin de tout ce qui a été fait. Et vous êtes témoin de la volonté de Fifi Masuka Saini par rapport à la construction de cette province. C'est comme ça que j'en appelle à votre conscience. Fifi Masuka Saini, l'étiquette que la population de du Lualaba est en train d'attendre. Et donc, vous avez le choix entre perdre ce que nous avons déjà acquis et consolider les acquis. Parce que nous sommes sous l'ordre. Repartir à zéro. Non, on ne repartira pas à zéro parce que nous ne voulons pas perdre ce que nous avons déjà acquis. Mais de manière générale, élection ba gouverneur Namboko na biso. Tozui moi ba dénonciation est belé, ba te belé balobi que pour que ma gouverneur faut payer sa $50,000 na député provincial moko na moko. Pour que ma sénateur faut payer sa bongo entre 25 to $30,000 na de manière générale Namboko mobimba. Est-ce que c'est une bonne manière de faire les choses? En tout cas, sur les abonnés, je pense que ce n'est pas bien. Parce que la CENI peut dénoncer. Je n'ai pas de preuves, mais je pense que parce que la CENI en a parlé, c'est déjà quelque chose. C'est une rumeur de mauvais goût. Na ko se pelate, député, oh yo, bape si yo ki député, ceux qui déjà, eloko a yambolingyo sala, pour nako voter gouverneur, bape sa yombongo. Pour nako voter sénateur, bape sa yombongo. Ça signifie que, mboke ko tonga mate, te ko ti ko espere na binote pendant 5 ans. S'il y a des choses comme ça qui se font, je pense que les services compétents doivent s'y mettre pour que ba détecter bantona. Les valider même s'il le faut. Il faut les invalider, je voulais bien dire. Il faut les invalider pour qu'ils perdent leur mandat. Ils ont eu la confiance de la population, ils méritent cette confiance si seulement ils sont à la hauteur de la confiance qui leur est confiée. Je ne pense pas que Bakoki Okota na banani va payer 50,000 $. Rappelez-vous quand on a fait la campagne. Parce que moi, j'ai fait la campagne avec Fifi Masuka Saini. Nous réunissions beaucoup de gens. Si ces gens-là voudraient, on devait leur donner l'argent, on n'allait pas réussir. Mais si toi qui les représentes, qui représentes par exemple tout un territoire, vous êtes seulement à D, vous voulez qu'on vous donne $50,000. Au gros, on a tout ce qu'on n'a pas, nous avons très bien. Je pense que ce n'est pas intelligent. Oh, on a ni ndeko Kevin Masuka, le gars qui a postulé le coup là. Vice-gouverneur. Toka qui est na ba bedia ya mboko na biso, est-ce qu'elle approche yende ko Fifi Masuka? Ah, un certain Kevin Masuka qui est passé, oui, na mi rappelé, mais azan de quoi Fifi Masuka te. Je ne sais pas si c'est une coïncidence heureuse ou malheureuse. Ce monsieur a le nom
le prénom du fils de Fifi Masuka et le nom même du fils à Fifi Masuka Saini. Donc, c'est Kevin fils. Masuka. Fifi non. Masuka aussi a son fils qui s'appelle Kevin Masuka. Mais notez avec moi que parce que les images sont là, beaucoup moins que Mutuana a kokani na Fifi Masuka te. Mais moi, Fifi Masuka Saini, pe azali, moi, Fifi Masuka Saini, o aza Kevin, aza entrepreneur na kati ya mboka oyo. D'ailleurs, ba image ezali, ayaki awa na Kinshasa na Fifi Masuka Saini, a presenta ki ya liboso ya tata mokonzi wa ikolo, comme entrepreneur, asali pe biloko ebele na kati ya mboka na biso, na lolaba, aza na encadrement ya jeunesse, aza kusala misala na public, je ne pense pas que c'est celui-là. Mais celui-là n'avait jamais dit qu'il était de la famille de Fifi Masuka Saini, mais il est plutôt de l'IDPS. S'il est de l'IDPS, c'est de mon droit qu'il puisse tenter de vouloir être aux côtés de Fifi Masuka Saini. Ah, il est ni proche, très bien. Comme ça, là, bah, y a famille. Donc, non. Il y a un membre de Fifi. Mais de plus en plus, bah, comme on l'a dit, Fifi Masuka Saini est belé. Comme bah, communicateur, et belé, nan, des communicateurs, comment le reconnaître? Qui est autorisé, au fait, y a communiquer au nom de Madame Masuka? Na ebisi, na reconnaître yawa que Fifi Masuka Saini aza baoba, aza nzeite. Donc, matiti, aza nango eza ebele. Nakati ya ba communicateur, c'est vrai que zana ba communicateur oyo baza reconnu, ba oyo baza mandaté po ba lobela Fifi Masuka Saini, je pense que beaucoup mona bonki ko distinguer bango. Mais ezana pe na ba volontaire nakati na biso. Il y a beaucoup de volontaires, les gens, les jeunes lolabe, ba oyo bazo mona biloko Fifi Masuka zo sala. Ba komi ba communicateur na Fifi Masuka Saini, ba rencontre na nu yete mbala mususu, ba tikala ko mona yete, ba yoka kakaka yena ba télévision ba mona biloko zo sala. Ba komi komi avec la nouvelle technologie ba komi komi benga baza ba communicateur na Fifi Masuka Saini parce que les termes communicateur aujourd'hui ça passe pour tout le monde. C'est comme ça que bazo soit na ba billet na bango ba koki ko voyager ko na ba plateau ba télévision ba koki ko sala ba vidéo à partir de ba ndaku na bango te ba hôtel bazo fanda pour ba kalisa boningo na bango pour Fifi Masuka. C'est encore une preuve que ça OK baza Fifi Masuka Saini aza mutu moko ba lingé mingi na lolaba. Donc il y a une question, il y a une précision que vous n'avez pas donné, comment reconnaître les vrais parmi tous les volontaires. Les vrais communicateurs de Fifi Masuka Saini sont derrière Fifi Masuka Saini. Tous les jours, quand Fifi Masuka Saini descend sur les chantiers, vous les verrez avec lui. Les vrais communicateurs de Fifi Masuka sont répertoriés dans la cellule de communication de Fifi Masuka Saini. J'en connais beaucoup aussi, je peux penser à certains amis ici. Je pense à Tremete Trésor Mamba, je pense à Petit Béton, Josué Masengo, je pense à Ingénieur Walamina. Ils sont nombreux. Mais à part cela, ces gens-là, c'est comme ça que chacun a sa structure de communication. Il y en a qui ont ceci, il y en a qui ont cela. Moi, personnellement, je suis promoteur de l'Oloba Vérité qui fait la promotion des actions de Fifi Masuka Saini. Volontaire, topé pour appeler ça moi bien parce que l'Oloba a mis une opinion. Non, encouragement, encouragement. Maman Fifi Masuka Saini a d'ailleurs, on dit qu'elle sert plus le pouvoir de Kinshasa, elle sert plus Kinshasa que la population de l'Oloba. Non, c'est un mensonge. J'avais répondu à cette question autrefois que Fifi Masuka Saini a pesé comme on a Kinshasa, mais je ne pense pas que c'est le cas. Je peux vous dire aujourd'hui que Fifi Masuka Saini, avec sa province de l'Oloba, jusqu'aujourd'hui, c'est la seule province qui est sous contrôle permanent de l'IGF et donc elle ne peut pas s'hazarder à faire n'importe quoi avec votre mot de la fin. C'est la fin de l'émission. Je pense que nous avons tout dit. Je voudrais peut-être revenir sur ce que la population du l'Oloba profond attend du prochain gouvernement. La jeunesse aussi attend beaucoup de choses, beaucoup de changements doivent venir parce que par le passé, Fifi Masuka Saini n'avait pas totalement le pouvoir. Aujourd'hui, bientôt qu'elle aura le pouvoir, je pense qu'elle va penser aussi à la jeunesse que nous sommes parce que nous avons des idées à donner. Elle peut nous écouter également parce que nous sommes capables d'occuper des postes, mais pourquoi pas assumer des responsabilités. Et donc, Fifi Masuka Saini tiendra compte également de la jeunesse, surtout dans le là-bas profond, où on a besoin encore de beaucoup plus. Il y a des territoires qui n'ont pas d'électricité, il y a des routes qui sont coupées à beaucoup d'endroits. La dame avait promis qu'elle va faire ça, et je suis vraiment fermement confiant qu'elle va devoir le faire. Bonne chance, Naye, ce qui pense à l'élection. Ndeko, Marcel Okito, tout ton Dieu, Botondi. Merci beaucoup, monsieur Daniel Zambala. Merci beaucoup, monsieur Marcel. C'est un plaisir. Nous sommes là, madame, nous sommes là déjà. Merci beaucoup, mon amour, Daniel. Nous sommes là prochainement. Nous sommes là, nous sommes partout à travers le monde. Face à l'opinion, on se retrouve la semaine prochaine. Nous invitons monsieur Soumet toujours avec le même plaisir. Au revoir.